Les plus forts sont ici. Et salut les gamins. Salut YouTube. Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Regardez-moi ça. Ça fait plaisir. Ça, vous voyez. J'adore rire. J'adore rire. Ça se lance toujours en retard, cette merde. C'est vraiment. Voilà. Bon, bienvenue sur Dicey Dungeons Halloween Special. Nous sommes le 29 novembre. Pas du tout, 29 octobre, attention. Cette VOD sortira peut-être le 29 novembre, hein, vu le nombre de VOD que j'ai en avance actuellement. Mais, voilà. Hein. Donc, petite mise à jour d'Halloween pour Dicey Dungeon. Et ça fait plaisir. Il faut le dire, ça fait plaisir. C'est trois actes que nous avons en plus des actes habituels, que nous avons bien évidemment torchés avec énormément de facilité, car nous sommes très très bons aux jeux vidéo. Pas du tout. Et donc, voilà. Trois actes spéciaux de Dicey Dungeons avec notre cher ami le guerrier, qui nous dit avec beaucoup de flegme, c'est pas du tout le bon mot, mais j'adore ce mot, il fallait que je le place au moins une fois dans ma vie. Salut, désolé si j'ai pas de déguisement, enfin j'en avais fait un, mais sous cette forme de dé, je rentre plus dedans. Et donc du coup, moi je... J'ai soif. Hey, putain, merde, j'ai soif, hein. C'est vrai que j'ai soif également, merci Draslorus. Merci Draslorus pour l'abonnement, des bisous. N'hésitez pas à faire de même si vous voulez soutenir. Ça fait toujours plaisir. Du coup, c'est cadeau, c'est parti, le guerrier. Et moi, j'ai envie d'y aller sans plus attendre parce que ça fait plaisir, une petite update comme ça. C'est parti. Alors, on sait pas du tout à quoi s'attendre, hein, pour le coup. Oh, regardez comme elle est belle. Comme elle est belle, Lady Alea, dans son petit costume. Oh, mais c'est mon brave petit guerrier. Quel plaisir de te retrouver dans mes donjons éternels. Ah, merci, j'adore Halloween, moi. Ah, mais tu sais, les donjons vont être un petit peu différents d'habitude aujourd'hui. Ah, pas grave, j'ai travaillé ma flexibilité. Et à quoi gagner, en fait? Oh, non. Pardon? Ah, pour ce combat, en plus. On gagne quoi si on gagne? Oh, ne t'en fais pas pour ça, très cher. Cela n'arrivera pas. Allez, c'est parti. Toujours aussi sympathique, Lady Alea. On va rebaisser un petit peu parce que c'était quand même très fort. Mais là voilà, ok. Alors, et donc, bienvenue sur Halloween Dicey Dungeons. Tout a été refait. Alors attendez, c'est quoi mon équipement? Pour l'instant, tout est normal. J'ai eu l'épée, je suis très content d'avoir une épée. Règles. On a des règles? On n'a pas de règles. Bon bah écoutez, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et du coup, les ennemis se sont déguisés pour l'occasion. Et si ça, c'est pas beau? Si ça, ça fait pas plaisir. Incroyable. Du coup, on a des musiques aussi différentes. Ça, ça fait plaisir. Bon, en soi, le singe le tue. Ouais, c'est bon. Prochain tour, il est bon. Non, c'est vrai qu'il y a le bouclier, quel con. Qui est con, j'ai oublié qu'il y a le bouclier. Récupération, restaure 6 PV. Oh, c'est sympa. Bah, est-ce qu'on se leverait pas maintenant, alors? Bah oui. T'as qu'à aller, hop. Bon, bah tant pis. Prochain tour, je crois pas. Putain, on restaure 6 PV tous les 8 PV, c'est pas mal, ça. Bon, tous les 8 PV entre guillemets. Pas sûr de l'avoir. Merci, Neozarios. Bon, du coup, pour l'instant, c'est sympathique. Les ennemis ont des petits écoutons. Ah, je le gueule, oui. Bon, oui, c'est bon, c'est sympa, je le gueule. On aime bien. Ah. J'aime bien le petit remix pour le moment, il est sympa. Est-ce qu'on peut pas le tuer en un tour, lui? On peut complètement le tuer en un tour, si on a des bondés, bien sûr. Allez. Alors, non. C'est non. C'est non. Et bah tant pis. Mage de guerre, je ne peux pas l'utiliser. On va faire ce qu'on pouvait. Ah, c'est ce que j'entends personnellement. Tu vas me donner un 4 ou moins? Mais il est pas gentil le jeu. Je vais pas t'insulter, mais j'ai quand même très envie de le faire. Mais c'est maintenant que tu me le donnes. C'est pas très sympa. Ah, la musique fait plaisir, hein. Félicitations, vous êtes désormais niveau 2. Bon, ça c'est normal, on a pas besoin de le dire. Ok. Très bien, je gagne un dé. Pour l'instant, tout va bien. Ah si, on a quand même des défis. Alors, démon gagne furie en début de tour, mais elle ne marche que 50% du temps. C'est-à-dire... Bah non, c'est plutôt explicite, finalement.
Sensationnel. Ils sont tous déguisés, c'est rigolo. Merci Yogat pour le Twitch Prime. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah oui, c'est des citrouilles pour gagner de la vie. Ok, bon, bah, on passe directement chez Bébé Pulpe. Ah, c'est sympa. Hein. Furie flippante. 50% de chance de répéter l'effet du prochain équipement. Persiste jusqu'à son activation. Mais c'est bien, non? Enfin, ça a l'air sympa, dit comme ça. Ah, ça n'a pas marché. Bon. Ah, là, ça marchait. Ok. Ah, mais ça... Mais c'est carrément trop bien. Mais attends, mais ça marche pas sur les ennemis. Les ennemis, ils l'ont pas. Pourquoi moi, je l'ai pas? Mais c'est trop bien. Mais en quoi c'est un défi? Pour l'instant, c'est trop bien. Pour l'instant, c'est beaucoup trop bien. Boujou. Valeur du D-1 fait perdre un PV. Réutilisable. Alors, c'est vrai que la dernière fois, j'avais dit du mal de ce truc-là, mais je pense qu'on peut effectivement en voir l'utilité plus tard. Donc, on va voir. Pour activer notre Fury. Pour activer notre récupération. Ok. Bon. Désolé, je mange rien. Ah, allez, la furie, là. Allez. Mais en quoi c'est mauvais, je comprends pas. Bon, on va voir plus tard. Hein. Peut-être que plus tard, on aura un truc pas bien, avec. Hein. Furie flippante. J'aime bien ce mot. Bon, franchement, pour l'instant, c'est du plaisir. Du plaisir en bas. Boomerang ou katana? Bah, le problème de katana, si vous voulez, c'est que ça prend quand même deux places. Du boomerang, on peut faire si mal avec ça. On sait qu'on peut faire très mal avec le boomerang. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Entrez donc, je fais 50% sur les lanternes citrouilles en plastique. Ça vous tente? Alors, je ne vois pas de lanterne citrouille en plastique, je suis très déçu. Voilà, sachez-le. Charme lunaire, obtient 6. Ouais, pas ouf. Griffe, ah, griffe, ça peut être intéressant, quoique pas vraiment, c'est pas extraordinaire. Un dégât si le coup est fatal, restaure 2 PV. Alors, c'est pas censé restaurer 2 PV, c'est censé donner 2 PV max, c'est ça, mais je sais plus. Quoi qu'il en soit, j'ai envie d'aucun. J'ai envie d'aucun, je dis non. Je dis non. Je garde mon argent pour plus tard. Putain, il est déguisé en poussin. Enfin, plutôt en coq. Il est dégueulasse. He's dégueulasse. Ok, alors, on peut faire très très mal. Ouais. Ça va mieux. Yes, on va essayer d'avoir mieux. Ok, ça va mieux. Ça fait beaucoup là, non? Allez, furie flippante là-dessus, je vais perdre toute ma vie. Alors. Ça va. Putain, la hache de guerre, elle fait chier. Et voilà, un dé en plus, bah super. Ah bah au moins il fait pas mal, hein. Qu'est-ce que je lui dis? Oh bah nice. Il est bon. Et bah voilà, et la furie qui fait son travail. Mais c'est génial cette furie. Mais on adore. Elle fait mal cette furie, on peut même dire qu'elle nique furie. Et ça, c'est unique. Mommy, la santé des ennemis est augmentée de 50%. Ah oui, c'est là que les ennuis commencent, en fait. C'est là que la baise. C'est là que la baise arrive. Ah! Ça fait beaucoup, là, non? Exact. Et c'est là qu'on se dit que la furie, finalement, on aime bien. Hein, on comprend pourquoi elle est là. Et à la fin, c'est les ennemis qui font 4 fois plus mal. Hein. Ok. Et ben, c'est menti pour des ennemis. Ah, 39 déjà, c'est pas si mal que ça. Hein. Aïe aïe aïe, ah, je commence à regretter d'être né en fait, tout simplement. Est-ce que j'y vais pour H de guerre ou pour boomerang? Bon allez, boomerang, c'est rigolo. Ouf. Ouf. Ça fait mal aussi bien à l'ennemi qu'à moi. Hein. Oh, j'étais à ça. J'étais à ça de la one shot. Ah, j'ai si mal. Excusez-moi, j'ai un petit truc dans l'œil. Ah. Bonjour à tous. Allez hop, salut. Bon, moi ça aurait été vite pour celui-là. Ça peut faire très mal, hein. Ça peut faire très mal ce stuff. Ok, est-ce qu'on prend les pèves? On va prendre au moins un. Au moins un pèvre. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Full Artifice. Un dégât pour chaque état infligé.
C'est nul. Enfin, c'est nul dans mon stuff actuel. Je veux dire, c'est pas forcément nul, mais là, tout de suite, c'est nul. Oh, ouais. C'est marrant, la sorcière qui, du coup, n'est pas vraiment déguisée vu que c'est déjà une sorcière. C'est peu drôle. Est-ce qu'elle est plus forte pour l'occasion? Pas du tout. Wouah, 51 points de vie, hein. Et hey, j'adore la vie. Bon, est-ce qu'on reste raisonnable dans cette histoire? Ah, c'est vraiment dingue. Ah, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Je suis pas sûr d'avoir envie de faire boomerang tout de suite. Bon. C'est la vie qu'il me fait. Ah bah ça a pas marché. C'est 50% de chance après tout. J'ai très très peur de la suite, hein, cela dit. Aïe aïe aïe. Un dégelé. Ce n'est pas très sympathique. Ok. Valeur du D-1 fait perdre un PV. Ça veut dire que si je fais ça, j'ai 2 D1. Non mais j'ai pas envie de le faire. Merde. Ah. On va tester. Ah c'est 2 ou plus. Ah c'est 2 ou plus, j'avais pas compris que c'était 2 ou plus. Ah mais c'est nickel alors, hop là. Oh, c'est complètement nickel, bah ouais. Allez, la furie. Oh. Ok. Je vais être raisonnable. Nice. J'ai bien fait de l'aide, je pense. Ok. Est-ce que ça sert à quelque chose du phase 3 là? Pas vraiment. Hein. Ça sert pas à grand chose, allez. Ça devrait le faire. Aïe aïe aïe. J'espère que je vais pas regretter ce geste. Je regrette déjà mon existence, ce qui est déjà pas mal. Ah, ok. Ok. Ok, ça marche, c'est bon. On a encore eu de la chance. Ah bah ouais, super. Transformer là tout ça en carnaval hyper commercial. Hashtag bien wesh. Hashtag bien wesh. Ah ça va, la traduction, ils ont fait des efforts. C'est bon. Un dé supplémentaire, qu'est-ce que ça va me servir dans ce stuff? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on a dedans? Harpon, plus 1 utilisation du prochain équipement pour ce tour. Ça peut être très très intéressant. Ça peut être intéressant, so... Ah non, c'est une utilisation, c'est-à-dire que je peux l'utiliser deux fois. Ça va pas l'utiliser deux fois l'affilée. Ouais, attention, j'ai fait me faire avoir. On tire 2-6, on s'en fout, actuellement, c'est pas très intéressant. Quoi que si, si, ça peut être intéressant, effectivement, bien sûr. Oula, oh, oh, oh. Bon, il est évident qu'on veut faire ça sur Boomerang. Sur le Boomerang, ça c'est évident. Parce que le contre-coup de 3, bien sûr, on l'apprécie. La hache de guerre qui prend qu'un seul espace aussi, on l'apprécie, effectivement. Bougie plus qui permet d'améliorer notre dé plutôt que le amoindrir. On va quand même passer sur le bon rang qui fait vraiment plaisir. Et j'hésite à mettre charme de minuit. À prendre charme de minuit pour plus tard quand même. Je vais quand même le prendre. Pour l'instant, je vais pas en avoir besoin. Mais on va y penser. On va y penser pour plus tard. Allez, le Yetai. On prend 51 PV. Alors, attention. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Dis-moi, ça fait longtemps. Yes, la récupération qui est juste là. On l'apprécie, on va faire ça, hop. Merde, j'aurais dû faire ça avant. Bon, quoi que non. Est-ce que je viens de le faire maintenant, mon truc? Merde. On va faire sécurité, on va faire. Bon, on essaie d'avoir un 6, un 6, un 6, un 5. C'est bien aussi un 5. C'est pas si mal. La furie qui ne veut pas. Hein. Ce costume de batteur de baseball fait terriblement mal. Ça fait terriblement peur, pardon. Non mais Halloween, c'est pas censé être une fête où on se déguise juste en fantôme tout le temps, hein, vous savez. Puis je crois que c'est pas la même chose. Hein. Je crois que c'est pas la même chose en Amérique et tout ça. Enfin. Faut dire le connerie, mais.
Alors, réfléchissons. Je fais 12. Est-ce que je me fais boomerang? Allez, oh, c'est plaisir dans la vie. On est là pour le fun. Réutilisable. C'est sur 6 PV, près dans 3 PV, dommage. Allez, ça marche. Yes. Bah super. C'est dommage que tu l'aies pas fait avant. Ah yes, j'ai tous les dés, ça j'ai hâte. Yes. Le grand 8. Et bah c'est super. Bon, on va faire un cube hein. Ouais, hein, je sais que ça sert à rien, mais c'est bon. C'est parti. Du coup, on va quand même restaurer ceci. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux prendre pour plus tard au cas où? Non. Allez, salut les potes. Citrouillard, tous les effets d'état sont doublés. Fury, c'est bien, non? J'aurais double Fury, en soi. Ah, momie! Ah mais c'est vrai qu'il y a des nouveaux monstres, il y a trois nouveaux monstres, je crois, et du coup, la momie, c'est un nouveau monstre, on ne le connaît point. Putain, est-ce que le boss, ça va être Drake? Ah, j'ai pas envie que ce soit Drake, hein. Moi, je vous le dis. Ok, momie. Et non pas Daddy. Alors, momie craint le feu, c'est normal, elle est entourée de bandages. Et non pas de bandages. Attention. Alors, murmures inquiétants. Draine 1 PV et hante 1 dé, ça tombe bien, on sait tout ce que ça fait un dé hanté. Fouet ruban, 5 dégâts, inflige confusion, yes. Et bah ça va être super sympa. La petite musique. Fury flippant de 2, je l'ai deux fois. Allez c'est parti. Ah oui d'accord, vraiment on met la max quoi. On donne tout ce qu'on a. C'est sympa, moi j'aime bien. Et bah super. Bon bah c'est un tour sympa au moins. Déhanté, utilise un équipement. Relance aléatoirement en dé. Ah mais c'est sympa ça, moi j'aime bien. Moi j'aime bien ça. Ah. Oh là là, je me demande où est ma hache dans cette histoire. Ouh, ça fait mal. Ouh, it hurts. Bon bah salut. Hein. Prendre ça. On va prendre ça, c'est cool. Fourche. Inflige une brûlure et un choc. Sachant que les effets sont du coup doublés, c'est pas mal. C'est clairement bien, en fait. Mais c'est super bien. Oh merde, c'est une pomme papote. Oh, j'ai pas vu. Et du coup, c'est pas une pomme papote, c'est une citrouille, pas une citrouille. Enfin, c'est... vous avez compris. Oh, attendez, mais fourche, carrément garant taxe. À la limite, je suis en train de me dire, est-ce que je mettrais pas fourche, bougie, et peut-être feu d'artifice, du coup. Eh oh, eh oh. Pas bête, la bête. Du coup... on va tester ça. On va le tester. Alors bonjour à tous. J'ai récupération qui fait plaisir, effectivement, on peut le dire. On va utiliser fourche. On peut essayer d'avoir mieux, cela dit. Ah, c'est effectivement mieux. Let's go pour ça. Alors récupération avant. Ça fait si mal, mais ça fait tellement du bien en même temps. Ouais. Ouais, pas mal quand même. Eh ben, je peux le tuer. C'est pas. Allez, salut mon pote. Hein. Il a pas trop apprécié sa vie, je crois. Je suis pas sûr. Mais quand même. Hein. Et quoi là-dedans? Ma hache de guerre transformée en griffe, mais tout de suite, bien sûr que non! Quoi qu'en vrai. Le mec qui ne sait plus ce qu'il veut. Parce que j'inflige du poison, j'inflige deux. Eh hey, oh! En vrai, c'est peut-être pas si con!
J'infligerai deux poisons, du coup mon truc, voilà. C'est quand même moins efficace que l'âge de guerre, mais j'aurai un emplacement après pour charme de minuit derrière, qui ne servirait finalement à rien, charme de minuit, donc non. Salut. Bon, c'est non. Ouah, papa, papa, t'es 66 PEV. Réduit de moitié la santé, bah vas-y, fais ta place, hein. Bon, ma furie flippante. Je vais la mettre là où il faut. Est-ce que ça veut dire que je peux lui infliger 3 bleus relures et 3 chocs? Ce qui est pas le cas, hein. Voilà. Ou 6 brûlures et 6 chocs. Oh. Et du coup, ça ferait 12, quoi qu'il en soit. On va y réfléchir. Tous ensemble, autour d'un petit café. Ok. Franchement, j'ai envie de tester. On sait jamais, hein. Si ça se trouve, ça a pas marché, mais c'est pas grave. Ça a pas marché, bon, c'est pas grave. Je peux pleurer, hein. Juste considérer mon existence, quoi. Merde. Du coup, que fais-je? Allez, je vais tenter l'âge de guerre. Ça fait mon match au bout, je suis d'accord avec vous, mais au moins je prends pas de dégâts dans la gueule. En tout cas, pas autant que ça. De toute façon, il va réduire ma santé de moitié, ça sert à rien, je suis d'accord avec vous, mais. Bim, allez, hop, le choc! Ah, c'est relou le choc, hein! Putain, il est complètement con! Le mec, il préfère me faire un dégât. Bah, c'est bon, le combat est déjà gagné en fait. Le combat est déjà gagné, j'ai même pas besoin de réfléchir à ce que je vais faire. Parce que lui ne va pas réfléchir quoi qu'il en soit, donc eh oh. Tiens, genre ça y est. Et bah ben voilà. Allez hop, salut. Alors c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et on peut améliorer un équipement ou avoir une autre bougie. Bon. On n'a jamais trop de bougies, c'est faux. Ou est-ce que j'améliore âge de guerre? Fourche, ça fait quoi? Je peux mettre ce que je veux devant, ce qui est pas mal. Deux dégâts pour chaque attaque infligée. Ouh! En vrai, c'est pas des cons, l'artifice. Fils d'artifice, c'est-à-dire que je peux au moins 8 dégâts avec cette merde. Au moins 8 dégâts. Au moins 8 dégâts. Je commence vraiment très sérieusement à reconsidérer la transformation de âge de guerre en truc de poison. Je commence à vraiment reconsidérer l'histoire. Parce que du coup, feu d'artifice peut vraiment faire très 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 mal. Je vais le faire. Je vais le faire, peu importe ce que vous dites. Pas besoin que vous le lisiez. Oh, Fofolé, il s'est déguisé en bébé. Ah, ça déconne pas. Par contre, on n'a pas eu d'autres défis finalement. C'est fini les défis. On a eu ce qu'il fallait déjà. Ok. Alors, c'est parti, Julien. Bon. La furie qui régale. Bien entendu. Bam. On récupère tout de suite l'épave. On va faire fourche. Faire griffe et faire un petit feu d'artifice qui va faire mine de rien 12 déjà. Ça déconne pas, ça déconne pas, mesdames et messieurs. Regardez, il faut quasiment rien faire. Il oublie de se faire mal comme un con. Et voilà, 6 dégâts brûlandés. Bon, qu'est-ce que je dis? Ah bon, 5 dégâts brûlandés. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, je suis pas forcément content de ce qui vient de se passer. Bon, j'ai gagné. Hein. J'ai gagné. Salut mon pote. On a un build qui fait mal, hein. On peut le dire. On peut dire que la douleur est présente. Squelette, Kraken, Mage Nowhere. Oh, et on a une petite amélioration encore. Oh, j'aime bien. Voilà. Ah, ça donne mal. Fourche. Fourche du coup, c'est quoi? C'est alors, non, griffe. On met plus de poison? Pas du tout. C'est plus de dégâts, ça a dit. Attends, on a quoi dans le Sekazo? Charme de minuit, pourquoi faire? Finalement, pourquoi? Je sais que j'ai un espace vide.
Attends, je vais partir un jour sans retour. Je vais faire le match noir d'abord. Puis on va voir si sensationnel. Et dans le. Et dans le champ. On voit comme il est beau. Mon petit chapeau rouge. C'est quoi lui déjà? Il fait chier. Voilà ce qu'il fait. Inflige deux états aléatoires, du coup j'en ai avoir 4. Ça, quel plaisir. C'est Giovanni Ricotta, merci pour le Shrine. Quel plaisir. Allez, inflige-moi ça en triple. Inflige-moi ça en triple. Bah, m'inflige rien en triple alors, du coup. C'est pas grave, je juste le reste. S'il te plaît. Mais attends, s'il sait, il le fait en triple. Oh! Oh! Oh, c'est comme si j'avais fait boomerang, mais sans les dégâts dans ma gueule! Oh! Oh, ça, ça me fait plaisir ce qui se passe. Oh, ce build! Ce build, il est bien ce build! Il faut le dire. Oh non, je me demande vraiment qu'est-ce qui est quoi dans cette histoire. Oh, ça, ça peut être dague éventuellement, ça. Ça, c'est peut-être le truc qui nous permet de déduire la valeur d'un dé, ouais. Oh, c'est dur. C'est dur, là, actuellement, de savoir. Bon, je fais quoi? Comment est-ce que je lui mets à l'envers? Allez, je vais pas réfléchir, je vais tuer. Merde, je me suis trompé. Je fais le malin, et je tombe dans le ravin. Ça, c'est fort. Allez, touche à ton cul, dans les verrues. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bave toxique. Oh. J'aime bien. Ça prend de la place. Spatula. Oh, ouais, mais c'est que c'est vachement intéressant ça. Hein. Parce que bave toxique, ça fait quoi? Améliorer. Ça prend pas genre un espace? Alors, c'est inflige 3. Oh, poison. Du coup, on inflige 6. Mais bon. Mais bon. Il faut avoir un 6, quoi. Je pense que baf toxique reste quand même. Attends, rien, parce que... Imaginez c'est Drake à la fin. Si c'est Drake, je vais pleurer. Si c'est Drake, je pleure. Après, en soi, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. Pourquoi? Pourquoi c'est pas grave? Parce que de toute façon, j'ai encore une amélioration derrière, donc je peux m'en sortir. Ça fait un craquel. C'est parti. On a une amélioration derrière, donc au pire, je pourrais bouger baf toxique. Sur un 6, inflige 3 poisons, et d'accord que du coup, on veut faire. Parce que si j'arrive à faire ça en premier, du coup, je lui inflige 6 x 3, 18 poisons. Bon, je lui en ai infligé 6, ce qui est déjà pas mal. On peut faire fourche. Je vais bien avoir essayé d'avoir mieux. Yes! Ça, quel plaisir. La vie, c'est de la merde. Ok. Bon, on va essayer d'avoir ça en triple. On n'a pas eu ça en triple. Du coup, on va essayer d'avoir ça en triple. Oh! 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 Excusez-moi. J'ai un peu apprécié ce qui s'est passé. Oh! Oh! Excusez-moi. Le squelette qui s'est déguisé en homme, c'est drôle, c'est drôle. non, c'est moins drôle ce que je vais prendre dans la gueule juste après, mais... Allez hop. Ok, cette fois boomerang, c'est ton tour. Quoique, j'ai pas envie. Oh, je m'en fous. Je te tue. Oh ouais. Merci, c'est ça que je vois. Voilà. Regardez, 6 et 6 et 6, et attention, là, monsieur, 36. Est-ce que ça vaut le coup de se faire 12 dans la gueule? Franchement, ouais. Il est quasiment... Il est quasiment mort, hein. Regardez, tu peux rien faire. Tu vas faire quoi? Eh ben oui, tu peux rien faire. Ah! Allez! Alors, c'est horrible. Oh là là, mais quel plaisir, Faustoff. Ah, bon, laisse-moi boucher les vies. Ils m'ont bleu, en fait, j'en ressemblais à ça quand j'étais encore humain. Ah, ça fait plaisir. Oh là là, mais c'est de game. Et on reçoit un dé supplémentaire au cas où on n'en avait pas assez, vous voyez? Au cas où il n'y avait pas assez de dés, on en remet l'autre. J'ai entendu que t'avais bien les dés, alors on a mis des dés dans tes dés. Alors fourche... Toujours ouais, dans l'esprit du plaisir. Merci Nikki pour l'abonnement niveau 1, pour le deuxième mois d'affilée. Salut,
visage content. Chalut. Alors fourche, bougie plus, jamais bougie plus déjà, ou griffe plus, au cas où. On peut partir sur une griffe plus au cas où. On peut partir sur une griffe plus au cas où, comme ça au moins, hop. Sinon, non, on part sur une fourche. Fourche plus, comme ça je peux mettre ce que je veux dedans. Fourche, c'est pas mal. Le charme de Minuit, non. Le charme de Minuit, c'est bon, je devrais pas en avoir besoin. Alors du coup, j'ai qui? Oh, Malison, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu en plus. Elle s'est déguisée en Lady Alea, ça c'est génial. Ça c'est génial. Ça fait un milliard d'années que je l'ai pas vu, elle. Bah écoute, bah du coup, notre build est très très bien. Ami de bougie. Bougie, finalement, quoi ça sert? Bon, Madison, oh, elle est musée contre le gel. Oh. Mais non. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, frère. Oh, look at me, I'm so great. High scale. Regardez-moi, je suis tellement belle. Est-ce que t'as peur? Oh, tu devrais avoir peur. Même Lady Alea a dit que mon costume était sinistre et perturbant. Mais je suis éventuellement bilingue, gros. 99 points de vie, oh là là, c'est vraiment beaucoup. C'est ce que j'aimerais dire si j'avais pas un stuff d'enculé. Brûle 1 des plus 1 dégâts de feu à chaque utilisation. Très bien. Donne-moi un 6. Mais du coup, j'ai pas de 6. Ah non. C'est vrai que ça va être un petit peu mon MSS. Non, il faut que je garde un des paires. Un des paires. Ok, bah... Ok, donc réfléchissons. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en premier? J'ai envie de l'infliger un maximum de dégâts avec fourche. Si je le répète 3 fois, c'est pas grave. Du coup, on va faire cette tac. Ok, ça l'a pas répété 3 fois. On va infliger du poison. Bon, ça inflige quand même bien du poison. Et du coup, tac. Ça, tac. Ça... Oh, 20 quand même, hein, 20. 20. Pas dégueulasse déjà le premier tour. Hein. Pas dégueulasse. Aïe. 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 Oh, j'en 6. Ça part. On part du coup. Là-dessus. Oh là là. Regardez-moi ça. Elle est morte, hein. Officiellement morte. Regardez parce que ça va tripler. Ah non, ça va pas tripler. Je suis un peu triste. Bon, elle est morte, hein, quoi qu'il en soit, je m'en fous, mais... Oh là là, mais cette violence dans le stuff! On n'a jamais été aussi violent, qu'est-ce que... Allez, Abrochi, on va faire tourner les roues! Est-ce qu'il faut gagner? Oh non, oh non, oh non, oh non! Oh bah, les conquérants, on va me balancer, décidément! Épisode terminé, spécial Halloween, le guerrier! Oh, mais qu'est-ce que c'était beau! Eh, hey, regardez, on a même fait ce défi incroyable, on a débloqué le démon qu'on n'a pas vu, mais on le verra peut-être plus tard. Démon M, mes pommettes. Karaoké préféré, j'attends toujours que quelqu'un commence à chanter un truc et puis je me mets à bloguer. Libéré, délivré, putain le bâtard. Quel monde de bâtard. Raison d'entrer dans les donjons, je cherchais à tourmenter les gens qui avaient encore un peu l'espoir en eux. C'est tellement meilleur de les écraser quand ils leur pensent encore sombrer dans les espoirs. Et bah ça, quel plaisir. Ah, c'était beau. Ça, c'était un bon acte, comme on les aime. Allez, des bisous YouTube, à très vite pour la suite, et abonne-toi.